Donc la compa, elle agit de deux axes. Premier axe, c'est sur les cours d'eau directement, avec un travail sur le lit de l'eau, sur le lit du cours d'eau, mais également aussi sur les pesticides. Et puis le deuxième axe, c'est sur les pollutions diffuses. Nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à faire de l'agriculture biologique sans ou voire très peu de travail du sol. Donc, ça, c'est le point de mire. Hein. Après, on ne s'interdit rien pour y arriver. S'il faut faire certains travaux de sol en attendant, ou si, avec des outils spécialisés, on est fermé à rien. Donc, je suis président de la CUMA de Couffé. À côté de ça, je suis président de l'Union des CUMA du Pays d'Ancenis, donc qui réunit 13 CUMA autour de l'embauche d'une secrétaire comptable, donc pour du service. Et puis, je suis aussi administrateur à l'Union des CUMA départementales. On travaille sur 7 cm de pointe. Donc, c'est la bande parallèle des corps arrière. Comme vous tirez un pendule qui se trouve là, ici, votre charrue ira toujours droit. Vous allez toujours reguider votre premier corps. Si par exemple un est en 16 pouces, le premier tirera toujours 16 pouces. Ça, c'est une pure charrue de déchômage. Donc, qui dit déchômage dit faible profondeur. On a une plage de travail correcte entre 10 et 15 cm. 10 et 20 cm. Si votre souhait c'est d'aller en permanence au-delà des 20 cm, je dirais que vous n'avez pas forcément intérêt dans ce type de matériel, mais plutôt rester sur un matériel conventionnel, une charrue conventionnelle.